plus drôle, plus drôle, plus les capables, plus politique, plus rapide, décide et dégage. Une balado, fait de blé entier, maintenant voilé dans les festivités. J'ai dit, le sperme, c'est un déjeuner. C'est. Vous l'avez vu dans ma chronique, il y a plein de choses dedans. Il y a plein de choses dedans. Oui. Il y a plein de choses dedans. Plein de bonnes choses. Il y a de la dèche, notamment. Ouais. Est-ce qu'on peut survivre avec uniquement de la dèche? Malheureusement, non. Théoriquement, on serait autosuffisant si on... Ouais. Suffisant. Non, c'est pas assez calorique. Pardon. Si on se masturbait, puis on... Ouais. C'est pas assez calorique, puis t'aurais pas assez de protéines. C'est comme, tu sais, ceux qui disent... Pour renouveler la porn, là, maintenant, parce que sinon tu peux plus... Mais je pense que c'est le même principe que, tu sais, quand tu te perds, tu peux pas comme manger ta propre jambe puis espérer survivre parce que l'énergie que ton corps met à réparer la blessure... Hey, on est en nombre! Comment qu'on en est venu à savoir ça? Ça, monsieur, comment tu penses, Julien? Ça, monsieur, je beaucoup d'essais, hein. Ça, ah, ça doit être d'un camp, nazi. Dans ce temps-là, on riait. Comment qu'ils vont, tout le monde? Allô? Allô, Nicolas? Hey, bon matin. Allô, Julien? Allô? 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 Nicolas, Fournier-Larocque, comment qu'il va? Allô? Il va bien, il va bien. Il va bien, tant mieux, tant mieux. Mathieu? Oui. Mathieu. Comment tu vas? Ça va bien. J'ai hâte de vous faire ma chronique aujourd'hui. Je suis content. OK? Ben, ça tombe bien parce que je pense qu'on va avoir la meilleure émission qu'on a jamais eue. Ben, c'est ça qu'on se disait avant l'émission. Ça va être la meilleure émission. Vincent, comment tu vas? Ça va bien! Yeah! Oh, Vincent va bien! Hey! Excusez-moi, est-ce que c'est Étienne que j'entends? Ben, non, parce que je parlais pas, mais là, je suis là. Ouais, c'est lui que j'entendais. Comment qu'il va? C'était son silence sensuel. Exact. Tout est dans les silences, dans les non-dits. Silence sensuel. Je serais content. Puis, Tiens, qu'est-ce que t'as fait un matin? Qu'est-ce que t'as déjeuné? T'as-tu déjeuné avec... J'ai pas déjeuné, j'ai juste pris un café, puis je me suis lavé, puis je suis venu ici. Ouais, c'est dur sur l'estomac, ben, ça. C'est déjà plus gros que matin. Ce que j'ai fait un matin. Non, je me suis pas lavé un matin. Toi, tu t'es pas lavé, ouais. Je me suis lavé. Ben, hier après-midi, on avait un show. Non seulement tu t'es pas lavé, mais t'as sali ton nouveau chandail. Oui, mon nouveau chandail avec... À tous les matins, Julien se salit. Qui fête ses 10 ans, son tweet sur la sangria, la vie. Peux-tu me le dire, Mathieu? Vu sur une terrasse à Outremont, 5 étudiants avec carré rouge, mangeant, buvant de la sangria et parlant au cellulaire. La belle vie? Oui. Ben, c'est après, quand même. Après, j'ai fait un statut pour célébrer les 10 ans de ce tweet légendaire. Mais ben, quelqu'un m'a fait un t-shirt. Alors, je le porte. Ah, il est beau. Non, pas les t-shirts blancs, par contre, parce qu'effectivement, j'ai déjà échappé du beurre d'épinot dessus ce matin. Mais c'est quand même impressionnant. Il boit, il parle au cellulaire, il mange en même temps. Tu sais, c'est... Ben imagine, un les jeune... Les ogres. Comme un quoi, jeune avec un cellulaire. Ben oui, multitask. Effectivement. Ben, la belle vie. Sangria. Ouais, la belle vie. Effectivement. Et on a avec nous... Sylvain Cigare. Oui. Je suis venu voir votre émission parce que je serais intéressé à l'acheter. Ah, ben là, je pense... Moi, je connaissais pas ça. Là. J'ai jamais entendu parler de ça, des... podcasts? Dessiner des rêves. Des podcasts. Ah, OK, ouais. Ah, on part de loin. C'est le fils de ma blonde qui m'en a parlé. Oui. Là, je suis venu voir si ça m'intéressait. Alors, serait-ce le célèbre Étienne Forêt? non, ça, c'est lui, là. Non, il se trouve là, vous pouvez le voir. Dans, dans c'est le gars qui rit. Ouais, ici. Je suis de loin, moi. C'est toi, ça l'animateur. Ça m'a marqué. Non, l'animateur, non, c'est non. Julien qui est là. C'est Julien. C'est pas Étienne, c'est pas l'animateur, c'est lui. Même s'il a l'air du boss puis qu'il est dans sa montagne, c'est pas lui qui... Mais je vous arrête tout de suite, là, vous pouvez pas acheter. Vous êtes les... Des chroniqueurs. Non, les oiseaux, là. Les Picbois, non. Les non. Picbois, c'est Dominique. Lui, il y en non, est un peu. C'est nous autres, les Picbois? Ben non, lui, ouais, il est ouais. Dans les Picbois. Ouais. Mais sinon, à la base, c'est Julie, c'est Dominique Massicotte. Fait qu'Étienne Forêt, il est d'un Picbois. Non, c'est ça. Il a déjà été gérant, mais ouais. Il est plus gérant. Julien Bernatché. Non, Julien Bernatché, non, c'est comme le troisième membre des Picbois. Moi, c'est Nicolas, je suis un chroniqueur. OK, toi? Mathieu, chroniqueur aussi.
Vous faites quoi dans la vie? Moi, je travaille ici, là, chez Juste pour Rire. D'ailleurs, je veux juste dire, vous pouvez pas acheter le show. Ça appartient techniquement là, à Juste pour Rire. Non, non, non. Mais alors, on peut être ouvert aux autres. On a avec nous. Pas personne à décider d'autre que moi. Là, attends, si vous nous offrez le bon prix, on est prêt à mettre Nicolas dehors s'il faut. Là. Le gars qui pèse ses boutons. Là, ça, c'est Vincent. Vincent, oui. OK. Lui, c'est pas Vincent. Ça, c'est. Non. Okay. Lui, ça va rester bon. Julien tout le long. Il n'y a personne. Il n'y a pas un invité qui va m'appeler Vincent. Fait que je vous écoute. Jamais. Je vais vous faire une. Je vous écoute. Je vous ai jamais écouté. Je ne sais pas c'est quoi un podcast. Peux-tu vous poser une question, M. Cigare? Oui. Vous avez de l'argent pour investir dans des choses comme ça. Vous avez fait ça où, cet argent-là? Je travaille en humour. Ah! C'est pour ça que je suis. C'est pour ça que vous êtes drôle de même. Je suis intéressé aux nouveaux podcasts. Vous autres, c'est quoi? Ça fait 2-3 semaines. On se fait 11 ans, là, maintenant. 11 ans. 11 ans. Mm. Ouais. Mm. Ouais. Là, vous voulez acheter quelque chose quand vous ne saviez pas c'était quoi un podcast, mais vous voulez quand même l'acheter. Ouais. OK. Mais c'est comme ça, les affaires Nikat, tu sens les opportunités. Ben, c'est ça, tu ne pas avoir la libre assez business. Nikat, tu n'as pas besoin de comprendre ben, ce que tu achètes. Ça, je suis d'accord avec vous, monsieur Sicard. Tu as juste besoin de comprendre sans faire de l'argent. Il va y avoir des changements dans ce podcast-là, puis je vais mais faire le ménage. Mais c'est sûr que si je m'en vais, on va faire de l'argent. Non, c'est fini. C'est fini, c'est ton dernier. Ça, c'est un acquis. Vous ne pouvez pas prendre cette décision-là, c'est pas à vous. Ouais, je peux. Écoutez, je vous trouve fort impressionnant. Je vous écoute parler, puis j'ai le goût de vous écouter toute la nuit. Puis je me dis, avec un homme de votre expertise, là, comment vous amélioreriez le produit là? Comment améliorer Dessy et Deret? Ben, premièrement, il faut apporter ça à C'est quoi? OK. Oui, c'est vrai qu'on y avait pensé au début. Non, c'était pas c'est quoi, c'était CIBL. Une commandite. Non, mais avec nos indicatifs de toilette. Là. Ça prendrait une commandite pour les vous autres, c'est les jeunes. Fait que Red Bull, vodka. Des pubs de Red Bull. Ben, j'ai des contacts chez Red Bull. Ouais, t'as une carte SQ. Moi, le fils de ma blonde, il en boit pas mal. Les jeunes, ils aiment ça, le Red Bull. Connaissez-vous ça, Red Bull? C'est pour ça qu'on considère comme un contact chez Red Bull. Julien Bernatchez, là, à la maison, tu connais-tu ça, Red Bull? Oui, je connais ça, c'est très bon. C'est plus un Monster guy. OK. Moi, j'étais plus Monster, ouais. Ah, les gros trucks au stade olympique. Non, ça, c'est les Monster trucks, mais il y a les boissons Monster. Ah. C'est quoi? Ça, les jeunes, ils aiment ça? Oui, il y en a. I guess. Tu sais, les jeunes, c'est pas un bloc monolithique, là. Ouais, c'est ça. Si votre seule référence de jeune, c'est le fils de votre blonde, c'est pas assez. C'est peut-être pas un bloc, mais il va tout pour le bloc, les jeunes, on va se le dire. Oui. On va se le dire. Le parti des jeunes, c'est vrai. Le parti des jeunes. On va se le dire. Parce que, bienvenue à Les Opinions. OK. C'est une chronique. J'ai un stylo, j'ai un papier, et je vais partir mon nouveau podcast, Les Opinions. Vas-y. Alors. Ah! Non, c'est pas une chronique, c'est. Ben, en quelque sorte. Alors, Will Smith, qu'est-ce que vous en pensez? Contre! Mais par rapport à quoi? Une opinion! Non, mais je voulais dire par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à lui en tant que personne, par rapport à sa carrière, par qu'est-ce rapport t'en à sa penses, vie amoureuse. Le ben, j'aimais bien Fresh Prince of Bel-Air. Les gars de schiste! Les gars de schiste, contre. Ça je compte, là, ouais. Ouais, puis vous, Monsieur Cigare, c'est ça votre nom? J'ai oublié. Moi, j'adore ça. J'en ai une dans ma cour. Un gaz de schiste? Ouais. OK. Je l'appelle mon arbre de Noël. Les jeunes aiment ça. Noël. C'est très pour les jeunes, le gaz de schiste. Et là, ceci est véridique. 5 minutes avant qu'on entre en onde, Nicolas débattait sur combien il tuerait quelqu'un. Ouais, pour combien? Pour combien? Pour à quel montant? Non, mais c'est parce qu'il avait dit qu'il n'y a pas de prix. Alors, pour combien vous tueriez? On va commencer avec vous. Ben, il faut que je fasse une étude de marché. Ah, ben oui. Ben, déjà, ça fait quand même du sens. Ben oui, il est quand même professionnel. Ben oui, c'est vrai. C'est l'offre et la demande. Hein. Moi, je pense que je serais peut-être un assassinat commandité par le coq rôti. Les jeunes aiment ça, le coq rôti. Ben, des commandites ben, pour les jeunes aiment le coq rôti, je dois admettre. Là. Oui. toi, Mathieu. Moi, je pense que ça dépend plus de qui on me demande de tuer. Ouais, tu m'as un peu volé, moi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je comprends. Parce qu'il y en a, je le ferais peut-être même pro bono. Ben, on va pas nommer de gens, bien évidemment. Non, ben non! On nomme pas de gens, mais mettons une mauvaise personne. Une mauvaise personne qui. Non, mais moi, je pense pas tant. Oui, il y a le volet, est-ce que ça me tente ou pas de tuer cette personne-là à différents degrés, mais aussi là, la complexité du meurtre, tu sais, la difficulté, le niveau. Quand t'es un gun.
Ouais, c'est ça. Non, non, mais ou puis tu sais, qui, tu sais, si mettons, combien il est protégé. Ouais, tu sais, si on va tuer un dictateur qui vit dans un palais avec des plein de soldats puis de gardes, c'est une autre affaire qu'un dude qui va au café, au même café tous les samedis à la même heure. C'est plus probable que c'est un dude qui va d'un café que quelqu'un d'un palais avec des gardes, là. Ben, ça dépend, je sais pas. Ça dépend, c'est ça, ouais. Attendez, les jeunes, je vais vous expliquer c'est quoi un meurtre. C'est d'enlever la vie à quelqu'un. Oui. C'est pas mal ça. C'est ça. Quelle époque. Et en terminant, mon dernier sujet, évidemment, le nouveau Gaston Lagaffe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, je l'ai pas vu. Ben, tu l'as pas vu parce qu'il n'existe pas encore. Mais, ah! Ben... J'ai vraiment quelque chose à dire là-dessus. J'ai écouté l'épisode des Mystérieux Étonnants où il en parlait. Là, ah oui, que, mais qu'est-ce qu'il disait là-dessus? Ben, c'est un Québécois qui va refaire le Delaffe. Delaffe, quelque chose de La Fontaine. Oui, ben, parce qu'ils ont toujours des pseudonymes dans le milieu de. Puis là, il y a le camp Laurent Boutin qui lui dit que c'est dommage parce qu'il aime ça voir des créations originales de Delaffe. Puis là, il trouve ça plate qu'il a utilisé le terme singer. Il dit, il trouve ça plate qu'il singe les dessins d'un autre parce que pendant ce temps-là, il ne crée pas des nouvelles affaires. Ouais. Mais quelqu'un qui est plus fan de Gaston Lagaffe, ben, serait content qu'est-ce de qu'il retrouver a fait de ça. Laf? Il fait les nombris. Les nombris, entre autres choses. Non, c'est le fun. Moi, je n'ai jamais vu. C'est audacieux. Je suis pas dans le public cible, mais, ben c'est, mais c'est bien. C'est pour les jeunes. T'sais, c'est probablement la bande dessinée québécoise la plus lue dans la francophonie, mettons. Mais là, Nicolas... Non, Nicolas, c'est lui. Ben, Nicolas, t'as parlé de singerie. Vous aimez ça, les singes, les jeunes? On adore ça. OK. Puis, hey, ça va être bon notre choix avec les singes. Ouais, j'ai pensé à décider des réversions de singes. Là. Ben, j'ai reçu un gorille. Alors, on a baby. Au point où on en est, effectivement. Ben, c'est vraiment un dossier fascinant. Je suis d'accord avec toi, Nicolas. C'est un dossier fascinant, effectivement. Question de la gaffe, justement, il y a déjà la première planche qui a été publiée dans Spirou. Mais là, la fille de Franquin veut stopper la publication. Alors, c'est pour à suivre. Pour quelle raison? Parce que ben, la fille de Franquin, mettons, préserve le patrimoine de son père. Son père aurait dit de son vivant qu'il ne voulait pas que Gaston soit repris. Seulement, il a dit des trucs contradictoires là-dessus. Il a déjà dit aussi, parce que Franquin est un peu, il est cynique, il est un peu, il fait beaucoup dans l'autodérision. Puis il disait, bon, quand je suis mort, je suis mort. Je crois pas en Dieu, je crois pas en la vie après la mort. Si les gens veulent reprendre Gaston, mais tu sais, à d'autres endroits, il a dit effectivement Gaston, c'est moi. Ben, il y a aussi le fait que tu sais, il a accepté de vendre les droits. Ben, c'est que légalement, ben, voilà, il a dit, il a fait de l'argent en vendant les droits en sachant exactement ce que ça impliquait. Fait qu'à partir de là, c'est qu'à date, mettons, il y a eu une espèce de respect non obligatoire qu'ils n'ont pas repris Gaston, même s'il avait le droit de le faire. Mais là, finalement, ils ont fait « OK, on le refait parce que, tu sais, les albums vendent plus. Bon, les jeunes ne lisent plus Gaston. On leur sort. » Évidemment, c'est fait avec immensément de respect. Ils reprennent les planches. Le gars a scanné toutes les planches puis il reprend des éléments des planches identiques. OK. Fait que c'est quand même assez fascinant. Mais là, c'est parce que c'est pas Bukowski, là. C'est Gaston, là. Il y a pas de quoi... Je suis assez d'accord avec ça, pour vrai. Calmez-vous les nerfs, là. Gaston Lepage, je suis le gars à télé, ça, là. Non, ça, c'est Étienne Forêt. Gaston Lepage est pas là. C'est qui, lui, d'abord? Gaston Lepage, il est-tu mort? Ça, c'est Julien. Non, Gaston Lepage est pas mort. Ah non, non, c'est vrai. C'est pas lui qui était sous l'avion. Il est pas mort. C'est pas lui qui était sous l'avion. Par ailleurs, on l'a reçu, Gaston Lepage. Oui. Alors, un dossier à suivre, parce que je pense légalement, Dupuis gagne. Ben oui. Ben peut-être Monsieur Cigare. Mais en même temps, c'est comme triste de, tu sais, t'as la fille de l'auteur qui fait, mais faites-le pas, même si vous avez le droit, faites-le pas. Mais... c'est un dossier fascinant et j'ai réellement invité Delaffe à l'émission et il a accepté. Oui! Mais il ne peut pas venir tout de suite parce que, ben, pour des raisons légales. Légales, ben oui. Ah, mais là, tu peux-tu inviter la fille de Franquin aussi? Non. Ah, mais on les met. Oui, c'est ben ça. Oui. On le... Jerry Springer. Ah, mais je prends pas on fait rentrer la fille de Franquin. C'est, voilà. C'est une question complexe. Je prends pas nécessairement un parti pris là-dedans. C'est juste parce qu'on va y parler d'autres choses que Gaston. Alors voilà, c'était... Les opinions! Hey, c'est un bon podcast! Ouais, on va passer avec Mathieu! Ok, je suis prêt! La chronique, avant, il y a une question pour Monsieur Cigare. De C8455. C'est son surnom, là. C'est pas un vrai nom, là, juste parce que vous avez c'est mêlé robot, souvent. C'est sur Hotmail. Probablement. Quels sont vos derniers achats?
les Spice Girls. Oh. Vous avez, ça, j'attendais pas le. Vous avez acheté les Spice Girls? Ouais. Les Baby Spice Girls? Ben, Spice le film, là. Ah, ok, vous avez World. Acheté la cassette. Les droits de Spice World. Le fils de ma blonde, il adore ça. Spice World. C'est très jeune. Personne n'a aimé ça, Spice c'est, World. Non, mais parce que. C'est parce que c'est la prochaine. Hein. Si ça s'en vient, là. Il y a des films bien. Puis les filles portent des soupes de latex. Il y a, des, oui, oui. Y a okay, de la couleur dans le film. Les jeunes aiment la couleur. J'ai une chronique pour vous, puis je l'avais tout écrite. Moi, je suis très papier-crayon dans la vie, là. Fait que j'avais tout écrit ma chronique. Puis j'avais mis dans ma poche arrière. Puis là, avant de entre chez nous et la fin d'Hochelaga, je me suis rendu compte que ma chronique était sortie de mon. De mes pants. Puis, c'est là qu'on voit les limites papier. De cette technologie. Mais cela dit, ça va bien aller. Je me souviens quand même très bien de ce dont je voulais vous parler. Puis j'ai le site internet que j'ai consulté ici. Fait que ce ne sera pas un problème. Ce que je veux dire avec ça, c'est que pour les fans de Décideret, si vous voulez faire une chasse au trésor pour retrouver le bout de papier avec ma chronique dessus, je pense que ça peut valoir vraiment cher, tu sais, la chronique perdue. C'est clair. Puis vous allez peut-être avoir des gags que je vais oublier de mentionner en ce moment. Puis ça va être comme un genre de bonus sans devoir s'abonner au Patreon. Mais si jamais quelqu'un la trouve et que toi, par la suite, tu meurs, est-ce que tu permets à cette personne-là de refaire ta chronique? Oui, sauf que ma descendance va se battre contre ça, par exemple. Okay. Ton lapin? Okay. Mais là, dépêche-toi de faire une descendance. Pas de temps à perdre. Non, moi, j'ai des animaux de compagnie. Bref, tu dois être fertile. Pour ma chronique, c'est une chronique littérature. On est très littérature ces temps-ci. On a reçu Richard Z. Sirois la semaine dernière. Oui, c'est très intéressant. Pour parler de son merci, livre. Richard, oui. Puis là, ça m'a fait me dire que je lis pas assez dans la vie. Je lis beaucoup pour la job, mais je lis beaucoup, tu sais, des scénarios, des pièces de théâtre, des trucs comme ça, mais je lis pas beaucoup de romans dans la vie. Fait que là, je me suis dit, il faut que je me reconnecte au roman. Je cherchais une manière et ça m'est arrivé comme sur un plateau d'argent. Grâce à notre auditeur, fidèle auditeur et très actif sur la page d'Amy Médéret, Bruno Marotte, que je veux remercier chaleureusement de m'avoir envoyé une affaire incroyable et invraisemblable, c'est-à-dire la trilogie de livres MAGA Hat Romance. MAGA, c'est Make America Great Again. Ouais. Là, le MAGA Hat Romance, une série de livres écrits par Liberty Adams. Évidemment, c'est un autre plume. Là. C'est pas un hasard que la personne s'appelait Liberty puis écrivait pour Donald Trump. c'est un site internet qui ressemble étrangement au site internet qu'on retrouve quand on joue à GTA 5 puis qu'on va sur internet. Le site a l'air d'une parodie de sa propre chose. Parce que GTA 5, c'est comme un pastiche de l'Amérique là, dans tout ce qui est plus dégueu. Là. Exact. Puis c'est ce site-là McDo, a l'air de ça. C'est cheap aussi. T'sais, c'est très carré. Là. Les sites internet sont pas beaux. Là. Sont très comme. Dis ça, c'est des images sur des images, tout est carré. C'est pas une chronique à mener sur c'est Truth, le social network de Trump qui devait remplacer Twitter, qui est identique à Twitter, qui a même pas un million d'abonnés. Ouais, ouais, puis ça marche pas pantoute. Puis quand tu t'abonnes, il y a un article cette semaine, là, quand tu t'abonnes dessus, il y a plein de gens qui viennent te parler parce qu'il y a jamais d'action là-dessus. Fait que en ce moment, quand tu t'abonnes, tout le monde te voit. Fait que là, tout le monde est là, enfin quelqu'un! Puis Trump, vous aimez ça, Twitter? Oui. Non. Non. Pardon. J'achèterai pas. Parce que t'as jamais compris Twitter, Julien, encore. J'ai pas encore compris, je vais le comprendre bientôt. C'est ça. Quand ça va être un jour. Ah, c'est plus le temps, là, c'est passé. Mais ouais, ça marche pas. Puis je pense que le dernier post de Donald Trump là-dessus date le de. Seul, le post. Seul date du mois de début du mois de février, genre. C'est quelque chose comme Your favorite president is here, stay tuned. Puis il est jamais revenu parce qu'il sait que ça marche pas. On lui a dit, mettons. Puis là, il y a une file d'attente, genre de plus d'un million de personnes. Fait que quand tu t'abonnes, tu peux pas avoir accès au réseau social avant très longtemps. Mathieu, ça marche bien. Enquête sur le terrain, je veux que tu t'abonnes à Truth Network et que tu me fasses une chronique là-dessus. OK, j'aime ça. Défi accepté. Voilà, je vais juste t'interrompre maintenant, vas-y. Ça va. Donc, ce Bruno Marotte m'a envoyé ce lien-là. Je suis tombé vraiment en amour. Ça m'a pris. Tu sais, j'ai vraiment fait un grand tour du site web avant de commencer ma chronique parce que ça m'a pris du temps avant de savoir est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est vrai. Mais tu sais. Je pense que c'est vrai. Non, mais ça se peut pas en même temps, c'est trop ridicule. Mais non, je pense que ma conclusion, c'est que tout ça est véridique. Donc, il y a une trilogie de livres qui existe. La première chose que tu vois sur le site internet de MAGA Hat Romance, c'est une note aux lecteurs. Et ça dit « Les lecteurs de ces histoires sont les meilleurs de l'Amérique ». Ça commence comme ça. Fait que là, tu sais, en tant que lecteur, tu fais « je veux lire ça, moi, je veux être flatté. » Ça c'était l'ego là, de la personne. Exact. Puis même, ça veut dire que même si t'es la pire personne au monde, j'imagine qu'après avoir lu ça, ça indique que tu deviens quand même
la crème de l'Amérique. Ça dit, vous vivez vos valeurs chaque jour à travers la foi, le travail acharné et le fait de vous occuper de vos familles. Vous avez vos propres histoires uniques à raconter à propos de comment vous en êtes venu à supporter le président Trump et le MAGA Movement. Le MAGA Hat Romance Series a été écrite avec vous en tête. Fait que là, déjà, tu te sens comme tabarouette, j'ai le goût d'aller plus loin là-dedans. Tout de suite en dessous de cette belle description qui est là pour nous charmer, nous en tant que lecteurs, il y a trois livres. Vincent, je t'ai envoyé les images des trois livres, donc qui s'appellent, je vous dis les titres, Ladies First, Almost a Family, on les voit à l'écran en ce moment, et Justice for Mary Beth, alors le livre 1, le livre 2 et le livre 3. Et je vais entreprendre aujourd'hui de vous décrire le résumé des trois histoires qui nous intéressent, en commençant donc par le livre 1, Ladies First. La petite casquette à chaque fois. Ouais, toujours là. C'est hot, hein? Ouais, c'est ça, il y a toujours le point central de ça, c'est la petite casquette. Ça me fait penser que... J'ai oublié de vous parler de la description de l'autrice elle-même. J'ai perdu sa chronique dans la rue. Oui, c'est ça qui arrive. Hein, ça. Elle se décrit comme étant une femme au foyer et elle dit que c'est pas son hobby, c'est sa vocation d'être une femme au foyer, qui s'intéresse entre autres aux nouvelles et à la politique, au home brewing. Donc, je pense que c'est faire sa propre bière, le jardinage et la cuisine. Fait que tu sais, on dirait comme un wet dream de monsieur blanc de droite américaine, là, tu sais, une femme qui veut rester à la maison parce que c'est sa vocation de cuisiner. Elle vit dans les Rocheuses. Bon, ben, salut monsieur Cigare. Lui, ça ne l'a pas rejoint. Il va revenir. Je pense qu'il n'aime pas ça que je parle contre les messieurs de droite. Elle dit qu'elle écrit donc des histoires qui réchauffent le cœur à propos de patriotes qui aiment l'Amérique, qui aiment le président Trump, et le meilleur d'entre tous, des histoires où les gens tombent en amour à la fin de chaque histoire. Fait que, mild spoiler, toutes les histoires se finissent avec... Mais je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Même pour les gens, mettons, qui ont cette idéologie-là, ben des imbéciles, tu sais, mettons, ils doivent pas trouver ça un peu prévisible, ennuyeux comme littérature, quand même. Je te confirme qu'il y a personne qui peut trouver ça intéressant. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, OK, mettons, je suis à droite, ouais. Je vote Trump. Ouais. Mais tu sais, c'est pas des bons livres. Ben, puis de toute façon, c'est pas des gens qui lisent, je pense. Ouais, en plus. C'est ça. Non, mais ils vont aimer prétendre l'avoir lu. Ouais, ben c'est ça, puis on y reviendra, mais c'est à la hauteur, c'est à la portée de ces gens-là. Je pense que les livres étaient conscients de son public, là. Si on peut lui donner des bons points, je pense que le fait par rapport, mettons, à des livres de Mark Fisher, est-ce que tu penses que c'est pire, moins meilleur ou équivalent? Ben, pour vous donner une idée, il y a un livre qui a 71 pages, OK? Déjà, okay. C'est modeste. Attends, ça, c'est un livre. Ça, c'est un des livres. 71 pages. Ouais, le livre 2 a 71 pages, mais quand tu le copie-colles dans Word, ça tombe à 17 pages. Ah, parce que sur les 71, il y en a 15 que c'est des pages blanches dans le document PDF. Ah, fait que je pourrais publier un livre. Là. Complètement. Il y en a 15 que c'est des pages blanches et il y en a 10. Il est gros de même. Non, parce que c'est écrit fucking gros. Puis, c'est ça, j'ai calculé, il y a moins de 15 000 mots dans le texte. Ça, c'est rien, là, 15 000 mots. Tu sais, un travail universitaire, c'est quoi? C'est 3 à 5 000 mots, mettons, là. Ben c'est ça, c'est presque un menu. C'est le terrain d'un menu. Je pense qu'il y a plus de mots dans le menu du Miami. Dans un restaurant qui vend juste de la merde. Puis il y a des. Non mais il y a clairement les restos. Est-ce que c'est pas clair c'est quoi le resto? Si c'est un resto italien, chinois, québécois ou quoi que ce soit, tu sais qu'il y a trop d'affaires sur le menu comme le Miami. Je pense qu'il y a plus que 15 000 mots dans le menu du Miami, mais bref. C'est des dauphins. C'est ça. Donc, il y a 15 pages qui sont complètement blanches sur les 71 et il y en a 10. Avant d'arriver au début du texte, il y a 10 pages pour dire, mettons, merci à Paul et à ma famille. Normalement, tout ça est sur la même page. Aussi, je dédie ce livre à ça, la petite pensée du début, tout ça se retrouve sur la même page. Là, c'est une page par affaire. Une page par affaire. Fait que le début du récit commence à la page 10. Fait que tu as 10 pages de vide au début. À l'intérieur des pages restantes, tu en as 10 qui sont juste des pages blanches et tu en as 10 autres qui sont des pages où il y a moins que la moitié, tu sais, mettons la fin d'un chapitre. Mais étrangement, je pense que c'est by design, là. La fin des chapitres, c'est toujours une ou deux lignes. Fait que là, ça te permet d'économiser l'équivalent d'une page au complet de vide.
Fait c'est comme final, des trucs de secondaire quand exact. Tu me disais « fais tant de pages ». C'est là où je voulais en venir. On dirait quelqu'un qui a un travail à faire, puis là, vous avez un travail de 5 pages à faire. OK, mais là, je vais compter la page titre là-dedans. Je vais mettre une page blanche entre le début du texte puis la page titre. Fait qu'on a déjà 2 pages de régler. Puis à la fin, je vais finir, il va y avoir 3 mots sur la dernière page. Double interligne. Double interligne. Fait que là, en réalité, t'as 2 pages de texte, mais qui comptent pour 5. C'est exactement le même processus. C'est comme une famille nombreuse. Ben, c'est fait. Aussi la technique Josiane Brousseau. Moi, personnellement, j'attends qu'elle prenne ce livre-là, le crisse dans Google Translate, puis le vende sur Amazon. Oh, puis ben, c'est ça que je vais acheter. Je me suis demandé si c'était plus ou moins d'effort que Josiane, mais au moins, il y a un récit original. Je pense que Josiane ouais. Brousseau a travaillé moins fort sur son livre. Ouais, ouais. Il y a plus exact. De stock dedans, non, mais il y a ça. Moins de travail. Josiane Brousseau pourrait traduire ça. Oui, exact. Ça serait l'ultime wet dream de Josiane Brousseau. Ça serait moi, je l'achèterais immédiatement, celui-là. Cette affaire-là. Et dans la fin de sa description, sa biographie à l'autrice, ça dit qu'elle possède et porte fièrement plusieurs MAGA hats. Assorti. Un par-dessus l'autre. Fait que ça, c'est moi, sûr, c'est le même que je l'imagine. C'est une bonne personne. De rouge. Toutes sortes. 5 mais... minutes, Mathieu. 50 Shades of Red. Donc, je vous parle du premier livre. Je vous résume les livres très rapidement parce que de toute façon, hein, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est tout le temps des astis de clichés. Tous les personnages sont clichés. Puis l'angle, c'est toujours il y a quelqu'un qui est très à gauche, donc très méchant. Et qui finit par être séduit par quelqu'un très de droite, donc très patriotique et positif, et finit par abandonner ses convictions de gauche pour devenir comme une bonne personne de droite et arrêter ses idéaux et ses projets pour revenir à la maison, devenir une bonne femme au foyer. Make it great again. Ouais, c'est très moderne. Ça a 1.5 étoile sur Amazon. Il y a des Amazon. Reviews, c'est ça que ouais. je voyais. Ouais, mais non, les reviews, je pense que c'est du monde qui troll. Ouais, c'est les mêmes reviews qu'on a faites justement pour la page de Josiane Brousseau, je pense. C'est sur Network aussi, c'est juste du monde qui troll, c'est juste ça. Donc, description du premier livre, Ladies First. Quand le patriote Mike doit secourir la féministe Ricky, ça c'est une fille, la féministe Ricky d'une émeute qu'il y a eu dans un rallye de Trump. Là. Il y a eu une émeute parce qu'évidemment, il y avait des méchants antifas. Ouais. Fait que, à cause des méchants antifas, elle allait s'y retrouver pris entre deux feux. Mais là, le bon patriote Mike, il l'a pris sous son aile. Puis le géant gentleman il refuse de la laisser quitter ses côtés tant qu'il ne l'aura pas ramenée chez elle saine et sauve à l'intérieur de son gros pick-up. Là, ça, c'est la vraie description. Là. J'invente rien. Là. C'est ça qui est écrit littéralement. Ce qui est arrivé, c'est ça, c'est qu'elle, Ricky, elle, c'était une journaliste indépendante qui allait dans un rallye de Trump pour essayer de démontrer qu'il y avait du racisme là-bas. Mais, hein, comme on le sait, il n'y a aucun racisme là, dans les rallyes de Trump. Ça, c'est des idées que nous, on se fait. C'est les médias aussi qui mettent ces idées-là. Ben là, c'est ça. Elle a dû inventer des fausses nouvelles, des fake news pour faire passer la gang de Trump pour des méchants racistes. Mais là, en même temps, elle est un peu... Pardon? C'est les woke, les racistes. Ouais, c'est ça, le exactement. C'est les woke qui sont racistes, au final. C'est les des néo-racistes. Les racistes anti-blancs, néo-racistes. Et comme l'a dit Nathalie et Elgrabli Lévy cette semaine. dans un... En tout cas, on y reviendra. Elle se met à inventer des fausses nouvelles, mais là, elle commence aussi en même temps à tomber en amour avec Mike malgré leur divergence d'opinion. Et à cause de ses mensonges, Mike se fait doxer, c'est-à-dire qu'il se fait révéler ses informations personnelles. Et à cause de ça, il y a des méchants thugs antifascistes qui vont attaquer son site de construction parce que Mike, évidemment, travaille dans la construction. C'est un patriote. Puis là, il y a une phrase vraiment wrong où il dit qu'il a une colère juste. Puis là, on dirait qu'on sous-entend qu'il l'a un peu battu, Ricky, mais que grâce à ça, tu sais, elle a retrouvé le chemin de la vérité. Fait que tu sais, comme quand ta femme a dit des niaiseries, zip, zap, zoup, 2-3 clapouilles, puis on replace les affaires, puis ça la ramène sur le droit chemin. Ça passe ça dans le livre? Ben oui. C'est ça qui se passe dans le livre. Colère juste, ça c'était... Ça m'apparaît un peu amoral, là. Oui, tout à fait. Et là, Ricky, elle décide, elle veut comme réparer ses torts et elle essaie de regagner la confiance de Mike. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'elle affronte ses amis libéraux, tu sais, puis qui n'aimeront pas son changement de cap. Fait que là, la question ouverte, c'est est-ce que Ricky va trouver le courage de quitter la gauche pour une vie d'amour à l'ancienne? Mais dans le fond, on sait la oui, réponse. Là, mais là, on sait la réponse parce qu'elle nous a dit que chaque histoire se terminait par l'amour entre deux personnes. Fait que oui, la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. À quitter ses convictions. Fait que yes, yes, un sir. Un peu comme les films, plus... les films de Noël. Oui, comment? C'est vrai. C'est un peu comme les films de Noël de Hallmark, là, la personne qui n'aime pas Noël, puis là, qui rencontre la personne qui aime Noël, puis à la fin, elle aime Noël. C'est souvent une femme urbanite
qui rencontre un homme de région brut. C'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Mettons, t'as Obama, il était avec la même femme depuis 30 ans, ils sont clairement en amour. Mm-hmm. Tandis que Trump, c'est un gros dégueulasse. Non, mais c'est parce qu'ils ont un réseau, ils ont un réseau de pédophilie, Julien, tu sais pas ça? Oui. Fais peut-être mon fil de pensée, là. c'est comme Obama. Obama, ouais. Obama, il était avec la même femme depuis 30 ans, il est en amour. Bon. Trump est deux fois divorcé. Tout le moins, tandis que Trump est deux fois divorcé, il a couché avec des porn stars. C'est parce que c'est des satanistes, puis ils ont un réseau de pédophilie avec des tunnels. Même outre les théories. Outre les pédophiles. Outre les théories du complot. Non, mais c'est pas juste des pédophiles, c'est des pédovores. Ouais. Ils mangent des enfants. C'est une étape de plus. C'est plus assez d'agresser les enfants. C'est juste cigare. Vous d'ailleurs, vous avez écrit un livre, vous m'avez dit. C'était à quel sujet? Ben, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je l'ai acheté, puis j'ai mis mon nom dessus. Ah. Ouais. Ah. C'est à propos de? C'est Histoire de Pi. Ah, vous êtes... C'est vous qui avez écrit Histoire de Pi? Histoire de Pi! Qu'est-ce qui se passe, Patricia, Judith? J'ai jamais lu. Fini. Je l'ai pas lu. Ben, il y a un tigre. Je l'ai écrit, je l'ai pas lu. Il y a un tigre en CGI là-dedans. Ouais, je peux vous accorder ça. Ben, que est-ce que ça a rapport avec la constante mathématique? Ouais. Ok, ben je vais le lire. Je vais vous dire les trois premiers chiffres de pi. C'est pas de tes affaires. C'est sûr. Deuxième livre, le livre 2. Non, ben là, on pourra pas toutes les faire, Mathieu. Ben non, mais on y reviendra, tu vas voir, tout est planifié. Mais ben, arrêtez, esti, de m'interrompre à tous les trois secondes, tabarnak. J'essaie de faire ça vite depuis le début, esti. Ma chronique, moi, a duré 5 minutes avant. Non, on a le temps. Donc, on va passer directement au troisième livre, je vous reviens au deuxième. Justice pour Marie-Bette. Le deuxième. Et là, Justice, vous allez voir, c'est le nom d'un personnage. Très clever. Là, c'est un autre niveau de wrong parce qu'on s'attaque aux Premières Nations là-dedans. Yes, sir. Marie-Bette Halloran, c'est une agente immobilière ainsi qu'une bénévole pour Trump. Et là, elle est sur le bord de faire réaliser ses deux plus grands rêves, c'est-à-dire rencontrer le président Trump et pouvoir peut-être travailler pour sa fondation, pour son organisation. Mais là, tout ce qu'elle a à faire, c'est une petite job. C'est-à-dire d'aller rencontrer un électeur récalcitrant pour qu'il répondent à quatre petites questions toutes simples. C'est pas décrit c'est quoi, mais on se déduit que ça a rapport avec elle veut acheter la terre. Elle est comme là en mission pour essayer de convaincre une première nation de vendre sa terre ancestrale. Excuse-moi, okay? Je voulais pas t'interrompre encore, mais je vais t'interrompre. Là. C'est qui lui envoie cette mission-là? La gang de Trump, j'imagine. J'ai pas lu le roman, malheureusement, et la description. Ça m'a pris plusieurs lectures de la description pour arriver à des conclusions. Il y a plein de non-dits. Je pense qu'il serait trop wrong. Ben, en 71 pages, c'est complexe. En plus. Donc, elle s'en va sur les terres de Justice K. Journey. Ça, c'est le nom d'un personnage, là, juste pour être temps. Ah, les noms d'Amérindiens. Hein, puis là, lui, il est fâché hein, parce qu'il est reclus dans son... Ils disent dans sa tanière. Il vit dans une tanière, dans une montagne. Okay? Ça, tel c'est... un loup. Oui, tel un loup. Un homme loup, donc. Un homme loup. Un homme loup amérindien qui vit dans une loup. Tanière. Puis là, il est comme ermite puis fâché de voir Mary Beth s'en venir chez eux. Fait qu'il veut pas répondre à ses questions et il dit que sa terre n'est pas à vendre. Parce que son arrière-grand-père, il a labouré la terre, mais il a aussi connu la grosse misère, mais il a aussi été pendu parce qu'il a volé la réserve d'eau du village adjacent. Mais ça fait en sorte que la source d'eau est sur leur terrain, puis lui, il veut pas vendre la source d'eau. C'est ça l'enjeu. Attends. Mais c'est pas clair, je sais. Le père de Justice... Le grand-père de Justice. Le grand-père de Justice. Qui s'appelle lui aussi Justice. A volé une source d'eau. Il y a Justice, l'arrière-grand-père, Justice, le grand-père, Justice, le père, et nous, on suit Justice K. Journey, qui est l'arrière-petit-fils. Mais il a volé la source d'eau. Ouais, puis là, il explique pas comment. Moi, je présume qu'il a comme creusé un tunnel. Un système de paille. Ouais, de pompe et de paille. Fait que là, il veut pas donc redonner sa terre, évidemment. Mais on se doute que l'amour fera en sorte que Mané va entendre raison et se ranger du côté des Blancs et donner la source d'eau ancestrale. Fait que ça, c'est le troisième livre. Là. Ça a l'air d'être le point culminant de quelque chose d'assez wrong. Bon, c'est doublement absurde. Pas du tout. La personne qui vole la source d'eau, mais qui est un... Amérindien. Mais puis on est vraiment dans, tu sais, il y avait ça dans le théâtre des années 50, le personnage du bon sauvage, tu sais. Toutes les sauvages étaient appelés les sauvages, puis tu avais un personnage qui n'avait pas de prénom qui s'appelait tout le temps le bon sauvage parce que lui, il comprenait les valeurs des Blancs.
Puis lui, là, il était prêt à se ranger du côté. Ouais, lui, il s'intégrait. Puis là, ça, on parle des années 50 au Québec. Là, ici, on parle de livres qui ont été écrits en 2020-2021. Ouais. Fait qu'ils ont comme eu genre 70 ans pour s'améliorer, puis ils l'ont pas fait. Non, et là, pourquoi j'ai skippé le deuxième livre? Oui. C'est parce que le deuxième livre est disponible gratuitement sur Internet. Je voulais pas leur donner une calice de scène, mais j'avais une curiosité. Et je vous annonce en grande primeur que mon prochain contenu Patreon, qui va sortir le 18 mai, ça va être une lecture. Je vais aller Google Translate. J'utilise une page de notre ami Simon Chénier. Je vais aller Google Translate le livre que j'ai copié-collé dans Word. Puis je vais vous faire la lecture intégrale des 71 pages du deuxième roman. Wow. Une heure de contenu Patreon. Ouais, une nouvelle heure de contenu Patreon que je vais faire, entre autres, avec Marie-Hélène Racine-Lacroix. Avec qui j'en ai parlé puis qui m'a demandé, parce que évidemment quelqu'un qui sait pas écrire de prose, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit des dialogues. Fait que le trois quarts du livre, c'est des dialogues, parce que tu peux te permettre d'écrire comme on parle. Fait que ça demande pas un haut niveau de littératie. Fait que le 18 mai va sortir tout ça, puis quelques jours avant, là, on le fera live pour les abonnés Patreon. Comment se nomme J'ai très hâte. Le deuxième livre, attends une minute, as-tu la photo pas loin, Vincent? Ah ben... Almost a Family. Et c'est l'histoire d'une dame qui laisse entrer un homme dans sa vie et qui se demande, est-ce que cet homme fera un bon père pour ma fille? La suite vous surprendra. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. Un plaisir. Être raciste n'est plus de secret pour nous. Tout à fait. On va continuer avec Nicolas. Savoir absolu, unique, complet, éternel, en 5 minutes. Non, il dit non. Non, fais pas le cigare. Nicolas. Là, j'ai-tu le droit de faire une chronique, monsieur Sicard? Vous avez rancé beaucoup d'eau, c'est pas grave. T'as quelques secondes pour me convaincre. Quelques secondes pour te convaincre. Ça, ben, je vais... Puff Daddy, il disait qu'en 5 secondes, il savait si c'était un hit. Chris. Je me disais, c'est un peu audacieux de dire ça. Un peu mince. Mais tu sais, quand il y avait les moyens de le dire, I guess. Ouais, ben, il y a moins, là. Ah ouais? Je sais pas, en fait. Je pense que ses affaires vont bien. Lui, il a toujours été plus producteur. Plus vite c'est fini. Ben justement, parlant de plus vite c'est fini, ben je m'étais senti mal à l'autre émission quand j'animais, puis qu'on n'avait pas eu assez de temps pour faire la chronique d'Étienne. On avait eu à peine 3 minutes pour lire La femme qui aimait trop. Puis là, j'allais continuer. Juste une page. Juste une page. C'est une page, c'était vraiment un tease insupportable, une espèce de coït interrompu bref. Oui, je connais ça. Et... C'est comme le sexe avec Billy Spade. Quoi? C'est comme le sexe avec Billy Spade. Oui. Mais en fait, tous mes rêves érotiques, d'ailleurs, c'est toujours des coïts interrompus. Avec Billy Spade. Ouais. Personne ne veut savoir ça. Mais en tout cas, maintenant vous le savez et vous êtes pris avec cette information-là. Mais donc, j'allais continuer mon grand dossier sur la tyrannie. Il y a bien des animaux dans tes rêves érotiques. Non, jamais d'animaux. Non, c'est toujours... C'est comme le film Roar. Non, c'est pas animalier. C'est des loups qui en queue, Nicolas. Ouais. Non, ça va pas dans cette direction-là. Enfin, j'allais continuer ça, et puis j'avais tout préparé là, sur le passage de l'aristocratie par la timocratie jusqu'à la démocratie, puis la tyrannie, puis après ça, aller vers la chronique elle-même. Puis je me suis dit, ben, de bonté de cœur, de la richesse, justement, de ma bonté infinie, que j'allais peut-être, justement, pas faire de chronique. Puis laisser du temps à Étienne pour... Je vais céder mon temps de chronique à Étienne. Donc... J'espère que c'est une nouvelle tradition qui va c'est rester. C'est la meilleure chronique de Nicolas. Donc là, ce qui est drôle, c'est que ceux qui ont skippé, tu sais, ils ont manqué tous ces moments-là, tu sais, qui ont skippé ma chronique, puis là, ils essaient d'aller bien loin parce qu'ils disent, bon, lui, ça prend 20 minutes, puis là, ils vont être comme, hein, non, c'est là, déjà Étienne. Il va falloir qu'il recule au même moment. Fait que là, tu viens de, dans le fond, ta chronique, c'était que tu trollais les gens qui skippent ta chronique, c'est ça. J'aime ça. Ben, c'est parfait, tu vas pouvoir lui mettre de l'argent dans le Parker Mate. Envoie chien. Non, mais on peut faire ça avec les cellulaires à cette heure, monsieur Cigar. Il va le faire. Là, moi, je veux entendre Julien Bernatchez. Non, ça, c'est Étienne. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir, Julien. Comment va Marianne? Marianne va bien. C'était le 1 an là, qu'elle était jurée hier. Elle a retenu cette date-là comme un anniversaire. Oui. Ben, c'était assez traumatisant comme expérience. Donc, oui, elle s'en rappelle. Ben oui. J'ai failli être juré, puis là, ben là, je vais peut-être le raconter, je suis comme plus sûr, en tout cas. J'ai failli être juré, puis là, mais c'est que ça aurait fucké une tournée avec les Big Bois. J'ai fait semblant de faire une crise de panique devant le jeu. Mais aussi, dire que ça aurait fucké une tournée avec les Big Bois aurait été une bonne raison en fait, soi. Non. Pas souvent, ils vont,
Ben, si c'est une question de genre, tu n'as plus de revenus, puis d'autres gens n'ont plus de revenus à cause de toi. Ça, attends, imagine Michel Richard là, dans cette situation. Je pense qu'il aurait pu juste dire ça fuck une tournée avec les Picbois, puis il a dit attends, les Picbois, des humoristes, ok, t'es out. Puis là, c'est ça. Ah, vous êtes humoriste, monsieur. Allez-vous-en. C'est long, c'est interminable. Puis moi, je l'ai vécu deux fois quand la majorité des gens vivent ça zéro fois. Puis je suis passé devant le juge, puis j'ai fait. My English is not very good and this makes me very anxious. Ok, t'as-tu mieux acté que ça? Ou... C'était-tu vraiment comme ça? Ou... Oui, c'est ça. C'est littéralement ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que. Non, mais y a une... ça, c'est, t'es seul avec le juge à ce moment-là. Oh, c'est oui. Pas, c'est, avant ça, on est comme, mettons, 200 une pièce. Puis on passe tout le monde. C'est long. Ouais, pis, c'est des journées complètes. Là, tu passes seul devant le juge pour justifier si t'es apte ou non à être juré. Après ça, t'es pas nécessairement juré, mais sauf que t'augmentes tes chances. Mais toi, mettons, le fait de te promener la craque de fesses à l'air, c'est comme pas assez pour te disqualifier? Ben, j'ai pas constamment la craque de fesses à l'air. Ben, pas constamment. En ce moment, est-ce que t'as l'air? En ce moment, je check ce coin-là, puis je soupçonne qu'elle est un peu à l'air. Dans le... You make me anxious. Dans right now. Mais j'ai eu un procès. Sachez que... Il existe donc un enregistrement de ça, de quand tu as fait ça. Tout ça, c'est enregistré aussi. Ouais. Fait qu'il y aurait, wow. Il y aurait moyen d'entendre ça, peut-être pour un prochain contenu Patreon. Étienne, tu te mets là-dessus? Ben là, je ne sais pas très bien comment avoir accès à ça. Là. Ben, je pourrais potentiellement le trouver, mais je pense qu'il faut payer. Il faut graisser les bonnes. Ben, là, on n'a pas un Patreon pour rien. C'est pas de la date de quand c'est arrivé. Ou, non, c'est ça. Là, c'est mon nom. Peut-être que ça... Ouais. Moi, non, je pense qu'on on devrait mettre un peu d'effort là. Mais tu tiens pas un journal, là, Julien, de tout ce que tu fais aujourd'hui? À chaque jour. Mon pénis aujourd'hui, je regardais un film. Vous avez vu quelque chose, M. Sicard? Ouais. Moi, j'ai déjà fait j'ai déjà été poursuivi. Puis dans les juges, il y avait Mario Tessier. Dans les jurés. Dans les juges? Juré. C'est pas comment juré, on appelle ça, là. Il est pas avocat, il est en business. Puis après. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est après, je l'ai signé. J'ai signé Mario Tessier, mais il ne le sait pas encore. Mais pourquoi vous avez été poursuivi? Fraude. Fraude. Et il dit avec une assurance déconcertante. Fraude. Pour quelqu'un qui veut acheter nos affaires. Ben fraude. Oui, effectivement. Alors, on va continuer avec Billy Spade. Ouais. Yes, Billy. On va mettre votre thème. Pascon. Mm-hmm. Pascon. Ah, Marianne apprécie beaucoup le Monsieur Cigare. Ah bon. Marianne, c'est une pique beau, ça. Dans l'univers parallèle. Dans le pique bois, you. Le PBU. Yes. All right, ben écoute, la femme qui aimait trop. La dernière fois, on n'avait pas lu beaucoup, effectivement, mais on était rendu dans un long chapitre. En fait, que ça fait plusieurs chroniques que je suis dans le chapitre 49. Ben là, t'as un 18 minutes. Là. Wow! Et là on devrait avoir le temps. Mais ce chapitre-là, je ne sais pas exactement où ça s'en va, mais c'est un chapitre où Billy Spade organise un genre de gros souper slash party. Il invite plein de monde, dont ses parents à lui, donc... Dorothée et Réal Spade qui sont là. Puis là, ben, il y a Erika qui est là, évidemment, aussi. Puis là, il y a aussi Fanny, la meilleure amie de Erika, qui est là-dedans. Puis là, ben, la dernière fois, tout ce qu'on avait vu, c'est que Fanny était venue au party sans Goliath, son chum, Goliath des je me souviens plus du nom de l'équipe qui remplace les Canadiens là, dans ce livre-là, Étienne, dans cet univers-là. Oui? Sans trop spoiler, là, est-ce qu'il y a d'autres personnages qui ont des noms de manège dans le livre? Je pense que non. Je pense il n'y a pas que de vampire. Le vampire. Le monstre. Ben, il est la pitoune. Ben ouais, j'avoue que Billy Spade est en quelque sorte le monstre, c'est vrai. C'est le monstre, hein? Ouais, la plus haute montagne russe en bois à deux voies en Amérique du Nord. Et à la maison, j'aimerais ça qu'on fasse le concours, associer tous les personnages de Billy Spade à un manège de la un ronde manège. Et gagner ah, wow. Une soirée avec Nicolas. Officiellement, la ronde se dissocie de ce concours. Oui, absolument. C'est le super manège! Vincent, c'est pas pour rien que t'as pas de micro. Bon, fait que là, on était rendu que pendant la soirée, il y avait eu beaucoup d'alcool, puis là, Billy avait trop bu, puis il avait ignoré Erika toute la soirée. Mais, pire encore, il avait passé une bonne partie de la soirée à parler avec Fanny, la meilleure amie d'Erika. Puis là, on en était là. Voilà, ouais, là, ça sent la chicane.
Jalousie, bon. Le monde est pervers. Fait que là, Erika continue sa narration. Je me sentais vraiment humilié. Une laissée pour compte, une quantité négligeable. Qu'est-ce qu'il pouvait avoir de si important à lui dire? La crousait-il? Bon, j'étais enceinte, je sais, et mes hormones me rendaient peut-être hyper émotive, hyper imaginative et par conséquent, hyper jalouse. Les femmes, hein? Ah, les femmes. Quand elles sont engrossées, elles sont jalouses. On les connaît, ça de même. Ça vient ses nerfs. Surtout que tout le monde avait remarqué ce qui se passait. L'insistance de Billy à parler avec Fanny. Catherine, elle, semblait se retenir pour ne pas applaudir. Catherine, c'est l'avocate de Billy qui semble être jalouse d'Erika parce qu'elle aurait aimé sortir avec Billy elle-même. La mère de Billy, je pouvais lire dans ses pensées ravies. Son fils ne m'aimait pas. Opportuniste, j'étais tombé enceinte de lui pour lui mettre le grappin dessus et lui s'amusait à le prouver sadiquement à tout le monde en faisant du charme à ma meilleure amie. Ça confirmait d'ailleurs ce que Fanny avait pensé au premier instant. Il était méchant, un mauvais parti, en un mot comme en mille, un écœurant. En un mot comme en mille. Ouais, ça c'est une belle expression, en tout cas qu'on vous l'utilise pas souvent. C'est deux mots, mais... Ouais, c'est ça. C'est ça, là, la faille. La seule. Oui, la seule faille. Fanny, qui me lançait des œillades désespérées, tentait de s'excuser à distance, comme si elle avait quelque chose à voir avec cette lamentable comédie. Heureusement, elle a reçu un coup de fil de Goliath qui lui a dit « J'ai besoin de toi, là ». Elle s'est pas fait prier. Elle avait surtout besoin d'être ailleurs, alors elle est partie, même si Billy a paru insister pour qu'elle reste. Avant de tirer sa révérence soulagée, elle est venue me serrer dans ses bras et a dit « Je suis désolé, je pouvais pas me débarrasser de lui, tu devrais le quitter. » J'ai objecté. « Je suis enceinte de lui. » Elle a dit « Je sais, je sais. » Moi aussi, parfois, j'avais le goût de partir. T'as beau être résiliente quand tu sens que la partie est perdue d'avance. La phrase finit de même, énigmatiquement. On dirait qu'il manque des mots, mais c'est ça. Mais vers minuit, j'ai eu une petite lueur d'espoir quand Billy a pris sa guitare et a annoncé « Maintenant, je vais chanter une chanson à Erika. » Il était assis à côté de moi. C'était la première fois de la soirée qu'il faisait ça. J'avais un émoi. J'aurais aimé que Fanny soit là. Tout le monde s'est tu. L'idole demanda « Votre attention, s'il vous plaît. » Il a commencé par prendre une gorgée de bière. Il était vite passé du Jéroboam de champagne à une boisson plus bas de gamme, puis a joué quelques accords et s'est mis à chanter. « Au début, ma belle Erika, je te croyais vraiment pas quand tu m'as dit « Tu seras papa. » Je souriais. Je souriais. Hey, la prose. Je souriais ravi. Hein. Non, c'est ta bras d'habitude qui faisait ça, mais là, dans cet univers-là. Dans cet univers-là, je sais pas. Là. Ben, souriais... Cet album-là, il a juste écrit tendre-fesse. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je souriais ravi. Il continuait la même mélodie et la pointe de son ironie entrait en moi. Je me suis dit, c'est n'importe quoi. Oh, peut-être une petite référence. Elle se moque de moi. Puis, tu as fait pipi sur un bâton qui dit non ou oui. Wow, meilleur tune. Oh, wow. Moi, j'ai poussé un cri. Ensuite, j'ai fait pipi, déloadé mon gun sur le tapis. On fait tout ensemble, on est ensemble pour la vie. Hein? Je me sentais deux humilié. Naissances de pipi, ouais. En 10 lignes. Mais il y en a un qui pisse, ouais, sur le tapis. Ouais, ben c'est lui-même, Billy, qui pisse sur le tapis. Je sais pas pourquoi, mais aussi... Comme par solidarité. Bon, je sais pas lui-même. On rappelle qu'il y a les culottes baissées depuis la page 6. Voilà. C'est peut-être juste plus simple pour lui là, de juste se laisser aller. Juste pisser à tout moment. Mais ça arrive avec comme l'abus d'alcool de pisser à des endroits. Ouais, c'est vrai. Comme des oiseaux. Ça sort juste à mesure que c'est là. Comme mon lapin aussi. Je me sentais humilié. Pourquoi pour mourir? Les oiseaux se cachent pour pisser partout. Pourquoi racontait-il cet instant d'intimité? C'est vrai que j'avais fait pipi sur le bâton de test de grossesse, mais avait-il besoin de le chanter à tout le monde? Tout le monde qui riait. De moi? C'est ça qui dérange. Il continuait de plus belle ou de plus laide. Manière. C'est sa manière, justement. Il t'élève ou fait semblant de t'élever. Attends, recommence ça, s'il te plaît. Excuse-moi. La relais? Excuse-moi, j'ai besoin de concentration pour ça. C'est pas évident parce que c'est des courtes phrases. Ouais. Il continuait de plus belle. Point. Ou de plus laide. Point. Ah. Manière. Point. Mais non. Arrête. Mais ça arrête des virgules. Il y a la phrase manière. Manière. Point. C'est sa manière, justement, deux points. Il t'élève ou fait semblant de t'élever, virgule, pour que tu tombes de plus haut et que ça fasse plus mal, virgule, avec paroles et musique de son mal, point. D'être, point. Comment son mal, point. La musique de son mal, point.
d'être, point, dans lequel il veut entraîner tout le monde autour de lui, même ceux qui l'aiment, follement, et sont prêts à tout pour lui et n'ont pas le choix de le faire s'ils veulent avoir encore l'honneur de faire partie de sa cour. Il est le vrai Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Le bonheur le tue, on dirait, alors il cultive la seule chose qu'il connaît, qu'il a apprise, le malheur et toutes ses sœurs. Il a aussi des frères. Je sais pas trop ce qu'on on dirait comme qu'il part une métaphore qu'il n'est pas capable de maîtriser, puis là, il panique, fait que il va vers une autre métaphore, mais là, il s'enfonce. C'est comme dans les films où il y a un personnage qui prend tout le temps la mauvaise décision. Là. Mettons les films des frères Coen, mettons Fargo, là, où est-ce que le personnage principal va toujours faire une étape de plus pour s'enfoncer dans son malheur. Là, lui, c'est ça, mais avec les métaphores, il part, puis là, oh fuck, oh tabarnak, oh non, puis là, maintenant, on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu. Ça serait quoi le frère du malheur? Je sais pas. Laisse-le parler, là. Il y a des sœurs, puis il y a des frères. Il y en a plusieurs. Je sais pas, mais peut-être toutes les émotions négatives. Ah, la tristesse, la dépression. La tristesse, ça fait des meilleures chansons. Oui, la joie, tu fais pas des aussi bonnes chansons. C'est quand qu'il pleut. Passer une belle journée. Tout le monde, même les gens qui me détestaient, trouvaient que son humour était douteux, que sa chanson était pas vraiment drôle. Mais pourtant, tantôt, tout le monde riait, mais en tout cas. Il continuait, inspiré par un des démons qui en lui sont légion. Là, on continue la toune. « Je t'ai regardé, Erika. Bientôt, tu tiendras dans tes bras un petit qui fait toujours caca. Adieu, nuit folle, en tout cas. Je serai papa. Je pourrai plus faire n'importe quoi. Je serai papa. Je pourrai plus faire n'importe quoi. Merci, ma belle Erika. Je pourrai plus faire n'importe quoi. Merci, ma belle Erika. » Et il a fait un fade-out. Wow, un fade-out live, oh, c'est quand même... C'est pas en répétant sa guitare sèche. Oui, de joint de moins en moins fort. En répétant ses mots, et moi, j'avais envie de faire un fade-out de mon moi. Tout le monde a applaudi, même si le numéro avait plus juste à demi. Puis Billy a dit, après avoir attendu un inutile rappel, « Qui a une idée de prénom pour le poupon? » D'abord, personne n'a rien dit. Puis Catherine a fait remarquer, « On sait même pas si ce sera une fille ou un garçon. » « On s'en fout, » a dit Billy. « On veut juste des prénoms. » Alors, les gens ont commencé à en donner à foison. Finalement, quelqu'un a dit « Charlot ». Ah, petit hommage. On salue Joël Martel. Billy a tranché « Charlot, j'aime. Reste plus qu'à le baptiser. » Il a pris son verre de bière et l'a versé sur mon ventre, baptisant l'enfant qui y était. Les gens ne savaient pas s'ils devaient applaudir. On rappelle que ça, c'est peut-être arrivé pour vrai, ou peut-être pas, mais c'était vous de faire la part des choses. Bon, ça sonne vrai. Je vais être vrai. Ça a l'air vrai, ouais. Ouais, à date. Ouais. Les gens ne savaient pas s'ils devaient applaudir ou s'indigner. Tout le monde trouvait ça bizarre, d'un goût discutable et pas vraiment amusant, en tout cas. Moi, je me suis senti comme Carrie dans le film du même nom. Mais là, par contre, il est mal écrit. Il est écrit avec un Y, mais ça s'écrit I-E. Quant à son bal définissant, elle se fait renverser un seau de sang sur la tête devant tous les élèves de son école. On se rappellera. Je me suis enfui vers notre chambre, ou plus probablement sa chambre, où je suis juste admise provisoirement, il me semble, même si j'ai son enfant dans mon ventre. J'ai retiré ma robe qui puait la bière de la honte et de la dérision. Donc une Molson. Alors la pire, là, je connais ça, la blanche de Chambly, tu sens pendant deux semaines. Ouais, t'en renverses. Vous m'avez dit que vous aviez 8 enfants. Ouais. Ouais, fait que vous avez fait ça à chacun des enfants, vous avez versé de la bière sur le ventre de la mère. Ils vous parlent plus, hein? Non, mais ils ont tous 3 ans. Fait que c'est normal. Les 8? Ouais. Fait que c'est tous la même mère. Bien synchronisé, votre affaire, bravo. Ouais. Je suis un gérant. Gros annonce. Clairement. All right. 5 minutes plus tard. Non, attends, pardon. J'ai oublié une phrase. Dans ma tête, je disais à mon enfant, pardonne à ton père. Il sait pas ce qu'il fait. Tu sais, là, on est proche de Pâques. Fait que ça tombe bien. Oui. Il fait n'importe quoi quand il a bu. 5 minutes plus tard, Billy est venu me rejoindre. J'avais passé un jean, un t-shirt. Pas un de lui, comme je faisais si souvent, mais un de moi, qu'il n'avait pas déchiré. Celui-là. Et déchirerait pas. Elle était vite passée, cette époque glorieuse de nos débuts, où il avait réduit à néant ma garde-robe dans la passion du moment. J'avais ouvert une valise sur le lit et j'y jetais sans trop penser des vêtements. « Tu fais quoi? T'es trop chaud pour le voir? Je fais ma valise. »« Pour aller où? » »« À Moscou. » À Moscou? Mais pourquoi? Pour t'acheter de la vodka russe pour faire changement de ta stupide vodka suédoise.
Mais je comprends pas. Non. Non. Ouais, non, que j'ai expliqué en haussant le ton. Mais je vais à Moscou parce que c'est loin, même si c'est froid. C'est loin, même si c'est froid. Oui, parce que normalement, les choses froides sont tout le temps très près de nous. Très proches. Ça, ouais. Plus on s'éloigne, plus c'est chaud. Ouais, exact. Mais j'ai l'habitude maintenant, non. J'ai même été entraîné avec de la bière froide sur le ventre. Il a supplié. « Reste, j'ai besoin de toi. » Oui, ça paraissait ce soir. T'as passé toute la soirée avec Fanny. J'avais l'air d'une vraie conne. C'est elle qui me lâchait pas. Elle a un projet de télé ou de film, je sais pas trop quoi, et elle voulait que je l'aide à le financer. Ben, il y a une différence entre les deux, là. Ouais, en tout cas, quelque chose qui a des caméras. Je devais faire quoi? L'envoyer chier? C'était ta meilleure amie, après tout. Ça m'a déstabilisé. Un doute a germé dans mon esprit. Ça, c'est le pouvoir du gaslighting. Ouais, exact, j'allais dire. Et très gaslighté. Ça tient à peu de choses aussi, là. Une mauvaise soirée, puis à part en Russie. Ouais, puis après ça, une explication clairement fausse, puis là, elle reste. Ça me fait penser un peu, c'est très lancé-comtesque de se pousser en Russie, on dirait. Ouais, c'est vrai, ouais, effectivement. Ouais. Parce que Fanny m'avait effectivement parlé d'un vague projet télé. Elle m'avait juste pas dit qu'elle voulait en parler à Billy. Mais comme Billy connaît tout le monde dans le showbiz, ça avait du sens. J'ai demandé « Tu laisses tes invités seuls? » Je leur ai dit que la soirée était terminée. « Ça va être moins humiliant pour toi. Ils me verront pas partir avec ma valise. » Alors, il a eu une réaction surprenante. Il s'est effondré sur le récamier de la chambre et s'est mis à pleurer. J'ai eu une hésitation. Il me brisait le cœur malgré la soirée épouvantable qu'il venait de me faire passer. Billy, même s'il est toujours entouré, c'est l'homme le plus seul au monde. Robinson Crusoe, à côté de lui, était moins seul. Même sur son île déserte, il était mieux entouré. Il avait vendredi, lui. Moi, j'ai juste le lundi. Mais voyons! Hey, mais là, dans ce chapitre-là, il y a beaucoup de références à des films, ouais. des œuvres. Des classiques. Mais au lieu de juste faire la référence, il l'explique il après. Tout le temps. Pour être sûr qu'on comprenne. Faudrait pas faire confiance à l'intelligence du lecteur, tu sais. Non, surtout. Ben, qui lit ça, tu sais, comme c'est pas des gens super bright, non. Ouais, c'est ça. Si on lit ironiquement, c'est une chose, mais j'imagine lui, il pense à ses vrais lecteurs fidèles. T'sais. Donc, moi, j'ai juste le lundi, parfois. Là, j'attendais une chose de Garfield, mais il n'y en a pas. Parce que Billy sort 6 jours sur 7. Et comme le lundi, c'est encore plus déprimant dans les bars que rester seul avec moi, il devient sentimental. Parfois. Si tous ses amis, son agent, son avocate sont occupés. Comme c'est flatteur pour moi. Je me suis approché, me suis assise à côté de lui et j'ai commencé à caresser ses cheveux blonds que j'ai toujours aimés. Oui, c'est vrai, Billy, il est blond. C'est vrai, faut faire la part des choses. Pour pas qu'on le reconnaisse. Ça, c'est pas ça. Vrai. Ces petits cheveux blonds. Ça, c'est pas vrai. C'est ça, comme le petit Saint-Jean-Baptiste. Il m'a regardé de ses beaux yeux bleus et mystérieux qui m'ont séduite dès le premier soir. Ils étaient rouges, il avait bu, il pleurait. J'ai touché sa cicatrice. Il a fait comme il a fait depuis le premier soir, il a embrassé ma main. J'ai flippé. Comme j'avais fait le premier soir. Billy a beau avoir des défauts, et même, si tu veux, tous les défauts du monde, il a beau être un homme cruel parfois, avoir des lacunes dues à son enfance, c'est l'homme que j'aime. Oh, c'est-tu cute? Que J-A-I-M-E. Donc là, éplé avec des traits d'union. Toutes celles qui ne l'ont pas connu, sauf comme le chanteur connu, et me reprochent de l'aimer, et me taxent de toutes les vanités, de la plus grande cupidité, ont jamais rien compris, et surtout, ont jamais été aimées de lui. Ouais, cool. Là, là, en plus, dans cette phrase-là, il y avait 4 verbes mal accordés. Il n'y a pas de haine, y a pas le haine de négation, là. Non pas, c'est on pas. Oui, il met jamais aucun haine puis ne dans le livre, il n'y en a jamais. Yeah. Il veut peut-être pas être trop négatif. C'est ça. Exact, on reste positif. Et ça n'a rien à voir avec le poster, comme il dit. La gloriole, les bagnoles, il est le dernier amant romantique. Le dernier gay également. Il suffoque sans la femme de sa vie. Je sais que jamais plus, quoi qu'il advienne, j'aimerais un autre homme que lui, comme lui, pardon. Je ferais juste semblant. Je dirais à mes amis, en parlant de mon prochain amant, si jamais le sort m'inflige cette épouvantable punition, il est charmant, je l'aime énormément. Mais toutes celles qui me connaissent vraiment sauront que ce sera juste en attendant qu'il me revienne. Je veux dire, si jamais la vie, avec un grand V, me punissait en me séparant de lui. Car je sais en mon Fisher, tu sais, t'es avec Mark Fisher là. On va laisser une vidéo. Excusez. Ben écoute, je finirai même pas le chapitre, il reste genre 3 pages, mais je vais au moins. Ben, si on te laisse aller sans. Oui, il faut finir ce chapitre là. Écoute, on va être obligé de défoncer, mais je vais essayer de lire vite, ok? Car je sais en mon cœur, en mon ventre, en ma tête, qu'aucun homme après lui, quoi qu'il advienne, lui arrivera à la cheville, même s'il doit porter des talons pour se donner du galon. On aime vraiment juste une fois. Ensuite, on joue la comédie pour faire semblant qu'on a encore une vie. Qu'il n'y avait pas juste un billet gagnant à la loterie. Oui, on dit j'ai retrouvé l'amour pour pas perdre l'autre qui lui fait pas semblant.
Ou peut-être le fait-il. Il est si mystérieux, le cœur humain. Ben, c'est dur. Moi-même, je suis pas capable de pas m'interrompre. En plus, et c'est ça qui pèse le plus dans la balance de l'amour, dans mon ventre, j'ai un enfant de lui, de Billy. Même s'il me réclame stupidement un test de paternité. Même s'il semble persuadé que je l'ai trompé. Moi qui admettrai jamais personne d'autre que lui dans ma vie, dans mon lit, dans mon esprit, ce qui pour moi sont les trois seuls mêmes mots. Je me suis dit... tout le même mot. Je me suis dit, malgré tout ce qui arrive, il m'aime encore, même s'il l'exprime mal. S'il me fait mal, parfois, c'est involontaire de sa part. Ses mots, ses gestes dépassent sa pensée. Ça lui fait mal de faire mal. C'est lui-même qui me l'a avoué. Et ça prenait beaucoup de courage et de lucidité. Oui, okay. Mais je sais quand il a bu, et il prend de plus en plus d'alcool, et surtout le prend de plus en plus mal, sa cruauté s'exalte. Il ne peut plus se tenir. Non, il peut plus se tenir, parce qu'il n'y a pas de nœud. Il me fait penser à Valmont. Oh, là, on va avoir une référence. Il me fait penser à Valmont, le séducteur du film « Les liaisons dangereuses », tiré du livre du même titre, quand il avoue la raison de ses infidélités à répétition. « It is beyond my control », entre parenthèses, « c'est hors de mon contrôle ». Mais là, il m'a fourni une autre explication. Il ne s'ouvre pas souvent. Il est méfiant. Il en fait quasiment parano. Il a peur qu'on utilise ses confidences contre lui. Il a pourtant dit « Ce soir, j'aurais pas dû faire ça avec la bière, mais il y avait mon père et je voulais qu'il se souvienne. Qu'il se souvienne de quoi je te suis pas. Qu'il se souvienne de ce qu'il m'a fait quand j'avais 11 ans. Je le suivais encore moins. Il poursuivit son récit. Là, on rentre dans la psyché et les traumas de Billy. C'était mon anniversaire et aussi celui de mon père parce qu'on est nés le même jour. Hein? Ça, faudra vérifier si c'est vrai. Tous mes amis étaient là. Ses amis aussi, il y avait plein de monde. J'avais composé une chanson juste pour lui. Je l'avais répétée 56 fois pour être sûr de ne pas me tromper. Quand j'ai fini de la jouer, au lieu de me remercier, il a pris sa bière, la 15e ou la 20e qu'il buvait depuis le matin, et me l'a versé sa tête en disant « Je te baptise la nouvelle vedette de la chansonnette. » Tout le monde a trouvé ça drôle. À nous aussi, on trouve ça drôle. Ouais. Moi, jamais de ma vie, je me suis senti aussi humilié. Oh, je savais pas. Lui, il sait. Et quand j'ai versé la bière sur ton ventre, on a échangé un regard. Et je sais qu'il a compris ce que je voulais dire parce qu'il a baissé les yeux. Il avait l'air honteux. Je devinais pourquoi. J'avais le cœur brisé. 5 minutes après, on faisait l'amour. Ben oui, enfin, wow. Passionnément, comme avant. Enfin, presque. J'allais dans quelques mois être maman. J'aurais peut-être pas dû accepter cette rapide réconciliation. Mais Billy, j'ai tellement de difficultés à lui résister, même quand il m'a blessé, je l'ai vraiment dans la peau. Je dis ça parce que le lendemain matin, je me suis réveillé avec une drôle d'idée. Une drôle d'idée qui m'a trotté dans la tête toute la journée. Et si cette histoire de bière versée sur sa tête par son père était inventée? Juste un autre show de boucan dont Billy, homme de spectacle accompli, a la déplorable recette. Comment savoir? Avec Billy, tu peux jamais avoir de certitude. Tu penses que tu viens de voir le visage de la vérité et c'est juste un miroir. Ou un autre tiroir qu'il vient aisément d'ouvrir dans l'immense commode de ses excuses. Hey boy! Ça, j'aime beaucoup ça. Aussi, il est tout le temps tellement ivre que lui-même sait plus s'il ment ou dit la vérité et en tout cas, il se souvient certainement pas ce qu'il a dit ou promis la veille. Et c'est pratique pour lui, il a juste à nier, à dire qu'il a jamais dit ça quand il veut plus tenir sa parole ou à changer d'idée. Parce qu'il a parlé avec quelqu'un qui l'a fait changer d'idée. Il est le maître des illusions. Peut-être aussi que je suis conne, archiconne, que dans le fameux visuel, le dico où tout est expliqué par des dessins, juste en haut du mot naïveté, tu vois en gros mon visage, ou mon cœur, que j'ai gros, dans tous les sens du mot, presque fini, que la femme qui a jamais trop aimé me jette la première pierre. PS. Là, il y a un PS. Trop aimé. PS. Oui. PS, OK. PS. J'ai pensé que cette réconciliation serait le prélude d'une période nouvelle entre Billy et moi, notre période rose, après avoir traversé la bleue, après avoir traversé la noire. Mais je me trompais, point de suspension, fin du chapitre 49, et voilà. Mais il y avait un PS au chapitre. Ben, c'est plus une longue période brune, selon moi. Oui, oui, très bien. Voilà, Billy Spain, le chapitre 49 n'est plus secret pour nous. On l'a fait, dessus, la gang. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Vincent. Ça m'a fait plaisir. Nicolas. Merci, Mini-Mathieu. Et... Monsieur Stigard, après tout ce que vous avez entendu, voulez-vous encore acheter des cidres? Ben, j'ai vu que c'était un podcast qui aimait les singes. Oui. Le Red Bull. Gaston Lagaffe. Oui, beaucoup. Là, j'ai tout calculé ça. Parler d'Internet. On est sur Internet. Donc, moi, je vous offre 1000 piastres par année. Par année? Dernière offre. Un tout obligé. C'est pas beaucoup, là. Vous êtes obligé. Ah. Ben, c'est pas grave. Ben, alors, c'était les opinions. Parce qu'on n'a pas peur de nos opinions ici
Ça jase. Voilà, merci tout le monde. T'es d'or. Pour les membres Patreon, on continue avec Toujours Vivant. Merci, à la semaine prochaine. Bye la gang. À bientôt. Ça, c'est toi qui l'as écrit, ce livre-là? Non, non, non. C'est moi qui fais ça. Plus de rôles, plus les capables, plus politique, plus la paix, de si et d'ailleurs. Humoristique, interdit aux adultes. Une balado, fait de blé entier, maintenant croisé dans les mains du blé. Ha ha ha, loft.